Bonjour Jean-André Charial. Bonjour. Vous êtes l'invité de la Provence aujourd'hui. Vous êtes le propriétaire et le chef historique d'une institution en Provence, l'Oustaou de Beaumanière, un restaurant gastronomique qui a aujourd'hui 2 étoiles, qui existe depuis 1949 et qui propose évidemment de la cuisine d'exception, pas forcément toujours accessible, mais une fois par an. Vous ouvrez vos portes au public l'espace d'une journée et sur le thème du bio, Beaumanière devenant Biomanière. Ce sera le 30 septembre. Pourquoi avoir choisi de faire cette journée porte ouverte sur le thème du bio? On sait que c'est un peu à la mode le bio aujourd'hui, plus qu'à la mode même. Oui, c'est plus qu'à la mode, mais si vous voulez, je pense qu'avoir une légitimité particulière. J'ai plusieurs casquettes, je fais la cuisine évidemment à Beaumanière, à Loustau, mais je fais du vin aussi. Et j'ai créé un vignoble en 1987 qui s'appelait le Château Romanin à Saint-Rémy-de-Provence. Et j'étais le premier à faire de la culture en biodynamie à l'époque. Et à l'époque, celui qui faisait de la culture comme ça passait un peu pour le chef d'une secte et quelqu'un d'un peu... Donc vous avez une vraie légitimité voilà. Pour faire et, du bio. Et puis autre chose, c'est que j'étais aussi le premier à faire un menu uniquement de légumes. Et qui dit légumes dit aussi potager. Donc j'ai mon propre potager dans lequel je vais chercher des légumes pour tous les jours pour les servir à mes clients. C'est un potager qui est évidemment bio lui-même. Je ne vois pas comment je pourrais faire de la culture en biodynamie dans la vigne et de la culture avec des pesticides dans mon potager. Votre potager. Alors parlez-nous de cette journée. C'est le dimanche 30 septembre. C'est chez vous, donc à l'Oustaou de Beaumanière. Oui. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? C'est vraiment très, très varié. Dites-nous. C'est très varié. Il y a différentes parties. Il y a une partie... qu'on appelle partagé, qui est autour de la cuisine et des producteurs locaux, c'est-à-dire que les différents chefs des établissements qui font partie du groupe Beaumanière, parce qu'il y a l'Oustaou de Beaumanière, mais il y a aussi la Cabre d'Or, et puis j'ai aussi un autre établissement à Villeneuve-les-Avignon qui s'appelle le Prieuré. Les trois chefs, plus le chef pâtissier, plus le boulanger, parce que je fais mon propre pain aussi tous les jours, avec des farines bio et des farines anciennes. Donc, ils sont là pour présenter. Ils sont là pour présenter, pour faire des démonstrations de cuisine. Et avec les producteurs qui me fournissent chaque année à la fois des légumes, mais du vin aussi, bio, et puis des artisans locaux, c'est-à-dire une céramiste qui fait toute la vaisselle que j'utilise. Exactement. Et il y a aussi une partie bien-être. Les souffleurs de verre, etc. Et puis il y a une partie bien-être. Qu'on appelle respirer, donc également aussi, alors avec autour du bio, avec des produits, une olive en Provence par exemple, qui sont des produits à base d'olive, qui sont des cosmétiques. Il y a des séances de méditation, il y a des séances de gommage, et enfin tout un tas de choses autour du bien-être, de la relaxation, etc. Alors on va rappeler pour finir que c'est gratuit. Oui. Il faut juste s'inscrire. Oui, il faut. Alors, il y a possibilité de déjeuner. De pique-nique, voilà. On peut déjeuner chez vous pour un prix modique, là, ce jour-là. Voilà. 25 euros, je crois. Oui, il y a un pique-nique qui est prévu. Et il y a aussi la table de la Cabre d'Or qui est ouverte, où un déjeuner qui est fait par les trois chefs de mes trois maisons pour 60 euros. Voilà, donc les enfants sont évidemment les bienvenus. J'ai les scouts d'Arles, que je remercie, qui s'occupent des enfants. Il y a des animateurs, il y a des jeux, il y a des poneys, ils font des dessins. Une belle journée donc à passer chez vous, au Beau de Provence. Et puis il y a aussi la visite des jardins. Enfin, il y a plein de choses. Vous pouvez pour découvrir vraiment les coulisses d'un établissement de renom, d'un établissement historique. Et vous faire plaisir. Merci beaucoup. On va donner le numéro de téléphone pour réserver, 04 90 54 33 07. Il faut réserver, on est d'accord. Hein. Oui. Et c'est donc le dimanche 30 septembre. C'est gratuit avec possibilité de pique-nique, de déjeuner sur place. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Jean-André Charial, d'avoir été l'invité de La Provence aujourd'hui. Merci beaucoup.